Antibiotiques, anti-inflammatoires, antalgiques, antihypertenseurs, anticholestérolémiants, antidiabétiques, antidépresseurs, anxiolytiques, antipsychotiques, anti-cancer, anti-rejet, antiviraux, etc., etc. Toutes ces classes de médicaments ont en commun d'avoir une logique thérapeutique de lutte. Ils sont anti, c'est-à-dire qu'ils viennent faire la guerre à l'intérieur de nous, ils prennent le corps et l'esprit humain comme champ de bataille entre eux et la maladie. En plus, parfois cette maladie est réelle, liée à de vrais signes cliniques, mais parfois elle est supposée simplement liée à des résultats d'examen, alors que le patient ne se plaint de rien. Quoi qu'il en soit, toutes ces classes de médicaments ont un autre point commun. Elles affaiblissent notre immunité. Elles sont anti-nous. Alors venons-en au virus du Covid, dont on dit qu'il n'est réellement dangereux que pour les personnes âgées, donc à immunité naturellement déclinante, et les personnes en comorbidité. Alors, est-ce que c'est vraiment la comorbidité elle-même, à savoir le fait d'avoir trop de tension, trop de poids, etc., qui est la cause réelle de la fragilité accrue au virus? Ou est-ce le fait de prendre ces médicaments immunodéprimants, qui sont souvent prescrits à vie, faute de savoir comment traiter plus intelligemment le problème? Donc la question n'est plus de savoir si on est pro ou anti-vaccin, pro ou anti-médicament. C'est un faux débat caricatural qui n'arrange que les idiots et ceux qui les exploitent. Ce qu'il faut, c'est être amide. Amide, c'est pas un ami maghrébin, ça veut dire anti-médicaments inutiles et dangereux. Il existe d'ailleurs un ouvrage médical qui porte ce titre et qui en recense plusieurs centaines, on va dire. Je conseille aussi à tous les soignants la lecture d'une excellente revue, la revue Prescrire, qui édite chaque année un guide des interactions médicamenteuses, des effets secondaires, et pour les médecins conventionnels, un guide des médicaments à écarter pour mieux soigner. Il est incompréhensible que ce facteur des médicaments et des drogues, au sens le plus large, ne soit jamais pris en compte ni évoqué dans l'étude des formes graves du Covid, notamment chez les personnes plus jeunes, mais aussi chez les personnes âgées, car ce sont très certainement celles qui ont des ordonnances à rallonge, comme dans les EHPAD, qui subissent les atteintes virales de plein fouet. Tandis qu'il y a des centenaires, j'en connais personnellement et par patients interposés, qui ne prennent pas de médicaments, qui ne sont pas vaccinés, qui ont été contaminés sans symptômes ou avec très peu de symptômes. En fait, il serait surtout temps de réaliser que c'est la même industrie, riche à un milliard, qui produit les médicaments, qui produit les virus et les antivirus modifiés génétiquement, et qui fait du lobbying auprès de tous les gouvernements pour imposer la vaccination mondiale. Assorti, et ça c'est ce qui intéresse les gouvernants, d'un traçage numérique bien commode des individus et de leur comportement. Alors au final, sont-ce vraiment les médicaments qui sont inutiles et dangereux? Bonne réflexion.